Yo, t'es occupé? Je suis au mon Chiliade là, mais. Ouf. Non, pas vraiment, enfin ça dépend. Pourquoi? Y'a quoi là-bas? Une soirée? Oh. Non, 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 je suis tout seul. Oh, ok. Je voulais te ramener les bouteilles en fait. Parce ouais. Que vu que je viens de tirer du bénis, après je pourrais plus en stocker là-bas. Donc autant que tu la reprennes maintenant. Ah ouais, bah ouais. Oui, bah au pire, si tu veux, on sera au vignoble. Ou alors au bénis, comme tu veux. Bah viens au bénis, parce que là je vais avec le camion au bénis. Vas-y, j'arrive. Et. Vas-y, on se rejoint au bénis. Le temps que je redescende, que je passe chez moi, j'arrive. Vas-y, vas-y. Vas-y, merci. À toute.
Ta mère la pute. Station codée du cul, là. Avec un coup sur deux, ça marche. Ah bon ça ouf. Coller du cul le truc. Bourré de leak. Ah non, c'est... Injouable. Avec ta mère.
Ah, faut que tu t'écartes un peu sur la gauche. Ah, sinon, je pourrais pas accéder au coffre. Yes. Il y a cette merde, c'est là-bas. Quel con. T'en as combien des bouteilles? Un paquet, attends. Oh, je pense pas que j'aurai cette place. Mais au pire, je te suis. Attends, c'est un... Ah oui d'accord, j'ai des bousées qui ont carrément disparu en fait. Mais c'est trop bien dis donc ces coffres, ils me font disparaître des bouteilles. Putain de serveur Cody du cul voilà. On va comme ça. En fait, dans mon inventaire, je dois avoir des bouteilles et je les vois pas. Attends, attends. Tac. Oh ta mère là. Avec leur histoire de poids et de machin et... Oh t'as qui bug là, il faut retourner en arrière et machin là dessus. Ah vas-y c'est bon j'en ai marre. Une dernière attends. Mais j'en ai qui ont disparu. Ah, super. Genre, il y en avait le triple en fait. Regarde ce qu'il y a, il y en avait le triple. Là, il y en a, je les ai plus dans mes poches, elles sont plus dans mon camion. Ah oui, d'accord. Donc super, bah, c'est pas grave, pire, prends-le, c'est gratuit, c'est cadeau. Vas-y. T'es sûr? Oui, pour 2000 balles, vas-y, j'en bats les couilles. Ça va me payer deux pleins d'essence, c'est super. Oh. Ah, c'est sûr que. Non, mais. Je peux plus rester ici. Tu penses que c'est moyen, tu me le répares en vite fait. Oui, oui, oui. Nickel, merci. Je peux plus rester ici, moi, je me casse. J'en ai trop vu. Je peux plus rester ici, enfin je me casse ici, j'en ai trop vu. Ok. Overdose du taf. Overdose du taf, je suis tout seul, je taffe comme un pigeon. Hein. C'est bon. Là, tu sors des caisses à 2 millions tous les jours. Hein. Ah bah ouais. Et ça va être trop de qui de me payer 300 000. C'est 4, enfin. Voilà quoi. Donc j'allais au taxi. Je vais me mettre dans mon coin, ça je vais me détendre. Parce que là en fait, si je reste une semaine de plus ici, je vais faire une dinguerie. Faut mieux pas que je fasse une dinguerie. Et j'ai vu le gym tout à l'heure. Mais pas si tu veux, je te suis, on discute ailleurs. Franchement, je pensais aller dormir là. Ouais bah écoute, vas-y, on verra plus tard. On verra si demain. Ouais, si tu veux, on discutera demain, je vais être là plus longtemps qu'aujourd'hui. Yes, yes. De toute façon, demain, si je chope le patron là ou quoi, je lui dis, je me casse de là. Ouais. Je compte plus me mettre en service en fait, c'est fini là, c'est.
Ouais, si tu veux d'aller pas ou quoi, tu. Vu que t'es tout seul, c'est la merde quoi. Enfin, tout le monde t'appelle et tout, ça va être. Justement, j'en peux plus, j'en peux plus. Puis il y a des heures où les heures de pointe, je suis là à faire piquer dans le. Dans le. Ouais. Dans le Bénis, y a même pas de course concitoyen, y a rien. Ouais, bah ouais, je comprends. Ouais. C'est non. J'abandonne. Tu m'étonnes. Je quitte le navire. En vrai, c'est compréhensible. Bah ouais, peut-être je le plonge. Et le seul employé. Ouais. Bah quand t'es tout seul, ouais, je te comprends, ça doit être horrible quoi. Déjà, tu te fais chier quand y'a personne, et puis en plus, quand y'a du monde, t'es. Enfin, tu dois tout faire quoi. Bah ouais, tu te fais charger. Ah bah. Mais ça encore, c'est pas le problème, tu vois, c'est. Non, c'est trop. Oui, c'est le seul. Tous les trucs à côté quoi. Ouais, c'est ça, c'est tout. C'est tout. Je sers à rien, il me dit, t'es chef d'équipe, t'inquiète, t'es chef d'équipe, mais je sers à quoi? Je vais même pas regarder la compta. La compta, c'est comme ça, t'as minuit tous les jours. Je vais même pas surveiller ce que les gens ils font, ou même moi, tu vois, si je fais des erreurs, tu vois. Tu captes? Ah ouais, d'accord. Je peux rien faire, même pas aller fabriquer les kits, rien. Si, je peux aller piquer de la bouffe là-haut, d'ailleurs, je vais faire ça. Putain, entreprise de rat de merde, on lance un truc de fou. Donc voilà, moi je me casse, je prends les taxis. De toute façon, il le savait que j'allais prendre les taxis, j'avais accroché la connerie. Mais je pensais pas. Tu sors tranquille. Ouais, je me sens là-bas tranquille. Tu fais comme tu veux. C'est ça. Ça, c'est pas le même boulot du tout en fait. Tu bouges sans arrêt, donc c'est beaucoup plus vivant en fait. Et si c'est mort, encore il y avait du taf à côté. Tu sais, des interventions concitoyennes, tu vois, tu captes. Ouais, bah. Là, ok, tu vois, mais là, y a rien. Mais. Comme les poteaux devant le Bénise, je suis pareil, tu vois, j'attends que les gens y viennent. Et si je suis pas là sur l'heure de pointe, on me casse les couilles. J'ai eu des gens une fois, ils me disent, je suis tout seul déjà, tu vois, fermez ta gueule. Ouais, bah, ouais, après, t'as pas une machine, hein. Bah ouais, c'est ça. Et justement là je suis saturé, là je peux plus. Ouais, je comprends. Bon, moi je vais te laisser, on parlera demain, au pire on verra, de toute façon il y aura Jim, donc on ira parler tous ensemble. Yes, mais il m'en a parlé un peu, donc ouais. Faudra qu'on en discute. Ouais, puis j'ai peut-être Jim, il s'est mis dans une histoire... Ah ouais Qu'est-ce qu'il a fait? Comment dire? Non, mais pas lui, mais. Il est pas dans le mal, mais enfin. Il peut se mettre dans le mal avec cette histoire. Ah. Parce qu'en fait, y a un gars qui lui a vendu un fer, oui, tu vois, et ce fer-là, veut mieux qu'il le rende et qu'il s'en débarrasse, parce que c'est du truc marqué, ça, tu vois. Je vois très bien. Ça peut mener à des grosses emmerdes pour lui, pour tout le monde, tu vois. Moi, je serais lui, je le rendrais au gars, tu vois. Parce que le gars, de toute façon, c'est un guignol. Je sais très bien qui c'est, tu vois. Moi aussi. Laisse-le, rends-lui son flingue, il est content, il a fait des conneries, il va aller le rendre et puis basta, tu vois. Ouais, bah. Tu vois. Et l'autre, tu lui rendras les thunes de toute façon. C'est pas une salope au niveau des remboursements de thunes. Je sais, parce qu'il me devait de la thune, il me l'a rendu, tu vois. Ouais, ok. Donc voilà, tu vois. Bon, parce allez. Que, en fait, si, parce que je sais qu'en fait, il veut le garder parce qu'il y a une lampe dessus, mais c'est ridicule. Ouais, ouais, je sais. Tu vois, le flingue que c'est, avec un flingue, non, mais avec un fer comme ça, s'il le garde, eh ben, s'il l'utilise, il est foutu. Ouais, c'est sûr. Parce que même si c'est celui de l'autre, forcément, il va le déclarer qu'il l'a pu. Donc après, ça va faire ping-pong entre lui et l'autre. Et les flics, ils vont attraper tout le monde, ils vont faire, j'en ai rien à foutre de savoir qui c'est, je prends tout le monde, tu vois. Ouais, c'est ça sûr. Qui va se passer, tu vois, c'est pas bon ça. Ouais, ben. Vas-y, je te saoule pas plus. Vas-y, hein. Puis ouais, demain, de toute façon, enfin, je te propose, enfin, on verra. Faudra que je te parle d'un truc aussi. Yes. Vas-y, bonne nuit. Bon repos. Bah, moi, je vais aller chercher la rivière là. Il faut que je récupère 900 lingots d'or là. Waouh, yeah. Ça rigole pas. Ah, c'est objectif. D'ici 2-3 semaines. Ok. Bah, allez. Vas-y, bonne nuit. Bah, bon courage. Merci.